Et bonjour les gens, c'est HTOX52, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Spider-Verse ainsi que du Venom-Verse. Donc pour l'histoire du Spider-Verse, après avoir senti que Silk avait été libéré de la captivité par Spider-Man, Morlun déclara que la grande chasse était ouverte. Celle-ci consiste à tuer tous les Spider-Man du multivers avec l'aide de sa famille. Ils se font appeler les héritiers. Mais alors qu'il tuait de nombreux héros sur le thème de l'araignée, le Spider-Man supérieur fut déplacé dans le temps et partit créer une équipe pour combattre les ennemis. Pendant la grande chasse, l'armée d'araignées doit trouver un moyen de vaincre Morlun, Karn et le reste des héritiers une bonne fois pour toutes. Cette armée est donc constituée de, attention tenez-vous bien, Spider-Man 1602, Spider-Man Fantastique, le Spider-Man de l'univers House of M, Iron Spider de la guerre civile, Spider-Monster, Spider-Cat, Spider-Man Unlimited, Spider-Man 2099, Spider-Man 2099 Time Storm, le Spider-Man 2099 des Exilés, Spider-Moon Man, Scarlet Spider, le Spider-Man de l'univers Ultimate, Spider-Woman, Silk, Spider-Gwen, Spider-Girl, Spider-Ham, Spider-Mam, All-Spider, Six-Armed Spider-Man, Animated Spider-Man, Spider-Man 67, Hobgoblin Parker, Spider-Uka, Spider-Punk, Spider-Man India, Spider-Woman de la Terre 807128, Spider-Man Noir. Bon, j'en ai peut-être oublié, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Quant à l'histoire du Venomverse, tout ce que l'on sait, c'est que la plupart des habitants de New York seront venomisés, ainsi que de nombreux super-héros comme Black Widow, Mary Jane, Spider-Ham, Old Man Logan, Gwenpool, ainsi que Ghost Rider et Deadpool, où tous deux seraient les personnages principaux de cette histoire. Et leurs ennemis seraient nommés les Poisons, qui devraient, d'après les créateurs, la réponse de la nature des symbiotes. Donc à mon avis, on devrait en savoir un peu plus sur les origines des symbiotes. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de sujet, faites-le moi savoir en commentaire. Donc sur ce, tu peux laisser un j'aime si tu aimais, tu peux t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et sur ce, ciao.